Bien, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va commencer par enlever ce petit marqueur de la carte parce qu'il ne nous sert plus à rien. Effacer le tampon, les montagnes de l'Anel. Donc, il y a des choses un peu inquiétantes sur la route. Ne me dites pas qu'il m'a vu à cette distance-là, franchement. Non, c'est bon. Il m'a presque vu, par contre. Est-ce qu'on va jauger de sa puissance? En lui tirant une flèche ou quelque chose comme ça. On pourrait très bien faire ça. Ce serait une bonne information pour la suite de l'aventure, je pense. Alors, est-ce qu'on va réussir à grimper tout en haut? Oui, c'est bon, ça passe. Mais je crois qu'on n'a plus de flèches. Est-ce qu'il va nous voir? Bon, Chagaru ne nous a pas entendu. Bien entendu qu'il nous a pas entendu. Il est beaucoup trop loin. Je vais me rapprocher un peu. Ok, pour le moment, il nous a toujours pas vu. Est-ce qu'il a un arc, par contre? Très clairement, il a un arc. Hein. Donc, fausse bonne idée. Fausse bonne idée. On va s'éloigner de là. Alors maintenant, la décision cruciale. Est-ce que je me téléporte pour aller beaucoup plus vite? Ou est-ce que je continue de tout faire à pied? Et là encore, j'ai envie de dire, je pense que très clairement, je vais commencer à me téléporter. Je pense que Chagaru a raison. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hop. Et je reprendrai mes pérégrinations sans me téléporter. Mais je pense que ça vaut mieux qu'on se téléporte pour pouvoir faire avancer un peu l'histoire et pour se concentrer sur l'exploration quand on en a vraiment envie. Donc, sans plus attendre, on va se téléporter pour retourner voir Impa au village Cocorico. Donc là, on a marqué des choses. Là, c'est quoi déjà? Ouais, oui, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Donc, on va retourner ici. Voir Impa. Très bien, et surtout au passage, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller prier la déesse avec nos quatre sanctuaires pour pouvoir améliorer un peu notre endurance. À moins qu'on veuille améliorer nos cœurs. Non, franchement, les cœurs, j'ai envie de dire, je vais essayer de trouver de quoi faire des remèdes qui pourraient augmenter ma vie temporairement au moins. Hop là. On va commencer par ça. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des emblèmes du triomphe, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Plus d'endurance, toujours plus, c'est ça qui nous intéresse? Oui, c'est ça qu'on veut. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Réceptacle d'endurance! Merci bien. Ah, ça fait que ça? D'accord. Va et ramène la paix en Hyrule. Je pensais que ça ferait plus. Donc du coup, il m'en faut 5 pour améliorer un seul. Enfin, un tour complet. D'accord. Eh, quelqu'un a mangé une pomme ou il en manque toujours deux? Je me souviens pas. Impa! J'ai trouvé une photo. Maintenant que tu t'es plongé dans les souvenirs de la princesse, tu dois avoir retrouvé certains des tiens. Autant te remettre ceci tout de suite avant que je n'oublie. Tunique de prodige! Seuls les 5 prodiges, reconnus autrefois pour leur valeur par la famille royale, pouvaient porter ce vêtement. Ils possèdent le pouvoir d'analyser les capacités ennemies. Ces vêtements t'appartenaient. C'est la princesse qui me les a confiés. Ils ont été confectionnés pour toi lorsque tu as été reconnu comme l'un des prodiges. Prends-en grand soin. Ah, très bien. Ben on va voir à quoi ressemble cette chose. Classe. Très sympa. Sûrement plus sympa avec un pantalon hylien. Ouais, sympa. Avec ça. Très bien, on est le prodige. On n'a pas une arme de prodige par contre. Hein. Niveau arme, on est un peu limite. On va équiper le boomerang, ce sera plus sympa. Ok, j'ai envie d'améliorer ma tenue de prodige, hein, très clairement, donc je vais aller voir la fée. Attends, est-ce que lui, il a d'autres choses à me dire? Ah, tu as trouvé le portail, je le vois dans tes yeux. Autrefois, un va-et-vient incessant de voyageurs devait animer les environs de ce portail. Les choses changent. Ah, tu peux pas m'aider avec autre chose, toi. D'accord.
Le reste, il va falloir que je me débrouille tout seul, j'ai l'impression. Très bien. Elle se balade pour une fois. Bonjour. Bien le bonjour, tu es drôlement matinal, dis donc. Je vais aller faire un tour chez Cani. Si tu as besoin de vêtements, tu n'as qu'à m'accompagner. Non, non. Pas besoin de vêtements, j'en ai là. Là, ils sont cool. Donc pour le moment, ça ira. Maintenant, on va aller voir la fée pour pouvoir améliorer cette tenue de prodige. J'espère qu'elle peut l'améliorer. Qu'est-ce que tu fais par là, toi? Maman, c'est bien caché, mais moi, je sais bien trouver. D'accord. Sa maman s'est cachée. C'est sympa si sa maman joue avec elle à cache-cache. Enfin, j'espère que c'est ça et que c'est pas un truc beaucoup plus triste. Alors, la dernière fois, il y avait un lapin bleu magique ici. Est-ce qu'on va le revoir un jour? J'ai l'impression qu'on le reverra jamais. On l'a loupé une fois. Je sais pas ce qu'il fallait en faire, d'ailleurs. Non, très clairement, on le reverra plus. Par contre, il y a des fées. Et j'ai encore raté mon coup. Bye bye les fées, tant pis. Je suis heureuse de te voir. Veux-tu que je renforce tes vêtements? Actuellement, je peux rendre tes vêtements un peu plus résistants. Ça t'intéresse? Ouais, vas-y. Ça, exactement. C'est lui que je veux. Tu veux que j'améliore la tenue de prodige, c'est bien ça? S'il te plaît. Bien, c'est parti. Et ça utilise les plantes princesses de la sérénité. Très bien. Et donc, ma tenue de prodige devient une défense en 8. Ah, c'est pas mal. 8, c'est cool. Les vêtements acquièrent parfois des pouvoirs spéciaux quand ils sont renforcés, mais il faut porter tout un ensemble de vêtements assortis pour que ces pouvoirs se déclenchent. Souhaites-tu que je renforce un autre de tes vêtements? Oui, on va améliorer notre pantalon ilien au passage. Oui, s'il te plaît. Ah, c'est que des cornes de Bokoblin qu'il nous faut? Ah bah, vas-y. Tu peux améliorer autant que tu veux, là. Bon, bien entendu, elle ne peut améliorer qu'une seule fois, j'ai l'impression. Il est passé niveau 5. Allez, encore une fois pour la capuche. Ce serait cool qu'elle puisse améliorer nos armes aussi, mais bon, comme les armes se cassent, franchement, ce serait pas forcément très utile. D'ailleurs, on se demande où est la Master Sword, hein, toujours, je ne sais pas où elle est passée, elle est aussi passée plus 5, donc on a une bonne défense. Non merci, il n'y a plus rien que tu puisses améliorer de toute façon, donc on va faire avec ça. Alors maintenant, quelle est notre prochaine destination? Est-ce qu'on va continuer à chercher... est-ce qu'on va continuer à chercher donc les emblèmes, et les souvenirs et tout, ou est-ce que maintenant on va passer à autre chose? J'ai envie de dire qu'on va continuer à faire des sanctuaires, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à un moment donné à tout simplement se diriger vers l'un des quatre animaux sacrés? Ça pourrait être cool de faire avancer un peu. Donc je pense qu'on va faire ça. Et je pense commencer par le peuple des Gerudo. Parce que si je me trompe pas, je crois que c'est le désert qui était juste à côté de la zone de début. Et donc du coup, ça pourrait être sympa d'aller le visiter. Donc j'ai bien envie de commencer par les Gerudo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est le plan qu'on va suivre. Maintenant, on a peut-être intérêt à cuisiner des trucs. Quoi, je ne sais pas trop. On va voir. Non, d'abord, je veux checker ça. Checker mes missions. Mission, journal, c'est par là. Souvenir, on a récupéré lequel au final? Ah, on a récupéré un des derniers souvenirs, d'accord. Je pensais que c'était un des plus près, moi, mais bon. Le secret des trois cèdres, la statue maudite. Ça, je sais pas où c'était. Muraille des limites. D'accord. Le trésor de l'anel. Très bien. La bête à deux lances. On pourrait la retenter, mais bon, enfin, franchement, pour le moment, ça s'est pas très bien passé. Il vous reste 11 endroits à trouver. Guidé par la tablette, ça, c'est des trucs qu'on a déjà fait. La fontaine dissimulée. Les créatures divines. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc maintenant, on va regarder où elle se situe. Le plateau est ici, et il y en a une juste là. Ben, j'ai envie d'aller dans cette zone juste ici, en fait. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce qu'après, les autres sont un peu plus loin, et moi, ça m'intéresse de faire la zone qui est juste adjacente au plateau qui est là. Et j'imagine que c'est le désert, donc ça me semble pas mal. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Alors, on va faire un petit truc d'abord. On va prendre notre revanche sur... D'ailleurs, où est notre cheval ?
On va prendre notre revanche. Ah, il est loin quand même, il est à Elimith, d'accord. On va prendre notre revanche sur cette chose qui se trouve ici. Ce serait cool. J'ai bien envie de tenter ça. Bon bah, on va devoir y aller à pied parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Est-ce qu'on peut sortir? Ouais, on avait dit qu'il fallait sortir par là-haut. On va récolter ça. Ah, et j'avais dit qu'on allait faire de la cuisine. Oui, oui, on va faire de la cuisine avant d'être pris au dépourvu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner? On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Ça, ça sert à quoi? À faire cuire avec une grenouille d'insecte pour obtenir un remède. Grenouille, un insecte ou un lézard? Eh ben, écoutez, je vais prendre ça. On va le faire avec un lézard. Et on va voir ce que ça donne. On va faire des tests. Hein. C'est une petite test de cuisine aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a donné? Remède tempo. Très bien. J'aurais pensé que ça nous donnait quelque chose de plus sympa. C'était bien une aile électrique. Ouais, j'aurais pensé que c'était plus sympa que ça. Dégage une faible lueur, fait de la cure pour obtenir... qui améliore la concentration. Donc on est plus discret avec ça, j'imagine. On va prendre ça. Et on va mettre des ailes de chauve-souris classiques, si on en a. Oui, on en a beaucoup. Si on en met 5, je sais pas ce qui se passe, on va voir. Non, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On n'avait pas du tout prévu de le jeter par terre. 1, 2, 3, 4. Et on a dit, il est où? Toc, toc, toc. On va prendre ça pour voir. Et nous, ce qu'on veut, c'est le cuisiner. Ah, mais comme il pleut, on ne peut plus cuisiner. Très bien. Rien que pour m'embêter. Bah écoutez, on va pas s'entêter à essayer de cuisiner maintenant. On va aller prendre notre revanche sur les animaux. Pour prendre notre revanche sur les animaux, par contre, il faudra remettre notre équipement de Sheikah. Donc on va le faire tout de suite, hein, parce qu'on sera beaucoup plus discret comme ça. Hop, hop. Voilà. Je pense qu'on sera nettement plus discret comme ça. On a vraiment pas eu de chance pour le coup. Au moment où on s'apprête à cuisiner, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tous les jours, ma femme venait raconter toutes sortes d'histoires à nos filles à l'ombre de cet arbre. C'est moi qui m'en charge maintenant, mais je suis loin d'être aussi doué que leur mère. Venez. Je vous attends. J'attends. T'attends quoi? D'accord. Elle venait raconter, donc je pense que leur mère est malheureusement morte. Donc l'autre, elle est en train de jouer à cache-cache avec sa mère morte, en fait. Du coup, c'est vachement triste, comme d'habitude. Hein. C'est bien du Zelda, ça a l'air joyeux et tout. Et on découvre des petits moments cachés qui montrent que bah, son univers est bien plus triste et bien plus profond qu'il n'en a l'air. C'est toujours comme ça. J'avais eu ce petit moment-là dans Skyward Sword, hein, quand justement on rencontre une technologie, de la technologie, donc une sorte de peuple de robots. Et c'était aussi vachement triste. Donc franchement, je devrais pas être surpris. Il est où ce lapin bleu? On le verra plus. J'ai l'impression que si on l'a loupé, il est loupé. Pour de bon. Ah, on pourrait s'entraîner là. On pourrait s'entraîner à essayer de monter sur un cerf. Ou on pourrait même utiliser le cerf pour aller là où on devrait aller. Bon, il m'a vu, c'est raté. On va essayer de le suivre à distance. En espérant qu'il disparaisse pas. Il me fonce dessus? Non, il me fonce pas dessus quand même. Mais je pense qu'il va disparaître. Ce qui est bien dommage, j'aurais bien aimé qu'il reste. Bon, on a de plus en plus d'endurance, c'est bien, mais on peut pas encore courir à l'infini. Hein. Ça, on l'a déjà fait. Ça, on s'en était pas occupé. Tiens, c'est original. J'aurais pensé qu'on avait tout fait péter déjà, mais bon. Opale brute, ça nous rapporte de l'argent, donc c'est cool. L'argent, c'est bien. On en a besoin de beaucoup. C'est vrai qu'on gagne beaucoup moins de rubis. Par contre, du coup, avec la vente et tout, finalement, on est plutôt bien servi. Ça, elle est où, ça? Ça, elle est où, ce pont? Ah, me dites pas qu'il suffisait de remonter tout ça. Moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour comme un abruti, alors qu'en fait, on pouvait passer directement par là. D'accord, c'est bon à savoir. Franchement, c'est bon à savoir. Alors lui, chaque fois qu'on vient le voir, il pleut. Donc on va pas y arriver.
Très bien. J'étais en train de me demander justement pourquoi on l'avait pas fait la première fois. Bah maintenant je me souviens, c'est tout simplement parce qu'il pleuvait. Maintenant on est dans la plaine aux cerfs. Et le fait qu'il pleuve, je viens de voir une astuce pendant les temps de chargement, le fait qu'il pleuve, nos bruits de pas sont masqués en fait par la pluie. Donc ça pourrait être relativement efficace. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça ne suffira pas. Qu'est-ce que c'était que ce truc orange là? Un renard? C'est un renard ça? Oui d'accord, c'est un renard. On va prendre la sauterelle. Un écureuil, non ça ne m'intéresse pas. Ils sont pas revenus les cerfs et tout là? Non, j'ai l'impression qu'ils sont pas revenus. Je sais pas comment les animaux repop par contre. Hein. Les ennemis on a vu, c'est la lune de sang très clairement. Ah, là il y a une biche. Peut-être qu'il y a un cerf dans le coin. Mais bon, on peut pas escalader comme d'habitude. Enfin, on peut escalader mais que sur de courtes distances, j'ai l'impression. Ah, bah voilà. Voilà qui est bien, on va peut-être pouvoir aller s'occuper du Korogu quand on reviendra. Si on revient à pied et pas en se téléportant. Alors ici, il y a une biche. Y aurait-il un cerf dans le coin? Un cerf pas trop loin, ce serait cool. Oh, il y en a un. Il y en a un, mais il y a aussi un sanglier pas très loin. Si l'un des deux nous repère, c'est pas cool. Donc ce qu'on va faire, c'est essayer de prendre un peu de recul. Mais en tombant, là, clairement, il va me repérer. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir que je descende un peu plus loin de lui. Genre ici. La biche nous a vus. On va rester un peu calme. Le cerf nous a pas encore vus, mais la biche nous surveille. Donc il va falloir faire très attention. Et elle nous a vu et elle est partie. Mais c'est pas possible, c'est quoi ça, franchement? J'imagine qu'il va disparaître. Voilà, il est disparu. C'est très embêtant, franchement. Ces biches, elles me saoulent un petit peu parce qu'elles me repèrent de très très loin. Donc attraper un cerf, c'est pas facile. Là, il y en a un, mais on n'a aucune chance. C'est moi ou il s'est allongé? J'ai l'impression qu'il s'est allongé. Mais il est bien gardé par des biches. Est-ce qu'elles vont nous voir arriver? Comme d'habitude, je pense que oui, hein, tout simplement. Elles sont super dures à contourner. On va prendre une photo en attendant. Elle est très moche, cette photo, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas grave. Si elle fait l'affaire et qu'elle le met dans l'encyclopédie, moi, ça me va. Ah non, on va pas remplacer. On avait une meilleure image. Du coup, est-ce qu'on a déjà pris une image des biches des montagnes? Non, on l'avait pas encore fait. Très bien, on a ajouté une entrée. Bon, la quête du cerf, quoi. La quête de la galère. Est-ce qu'elle me voit vraiment dans les hautes herbes? Je pense que oui, et ça me pose problème. Je sais pas, hein, peut-être que je suis le seul à galérer pour monter sur un cerf, mais personnellement, qu'est-ce que je galère? Je sais pas si vous avez autant galéré, mais alors moi, c'est vraiment la grosse galère. Allez, on avance tout doucement. Je parle même plus, je respire même plus, quoi. Tout doucement. Elle a tourné la tête dans notre direction. Ça me pose un peu problème. Elle se couche. Pourvu qu'elle ne nous voit pas. Elle regarde vers nous. Si ça se trouve, c'est juste une animation, hein. Sachant que ces animaux, en vrai, ils sont très durs à approcher aussi, parce qu'ils sont très sensibles. Ils vous sentent arriver, ils vous voient, ils entendent tous les bruits, regardez les oreilles aussi qu'ils ont, donc forcément... Endors-toi, ma petite, ne t'occupe pas de moi. On y est presque. Oh non! Non, 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 c'est pas possible! La grosse poisse! On n'a plus de flèches. Bon, je voulais me venger.
La grosse, grosse poisse. Franchement, on était à 2 cm. Et ça a foiré. Tout ça pour ça, quoi. Non, mais franchement, ça commence à me fatiguer. Ça commence à me fatiguer. Je sais pas si vous en êtes mieux sorti que moi, mais alors moi, c'est vraiment la grosse, grosse poisse. On n'y arrivera jamais. Je désespère. Y a-t-il une technique pour pouvoir se rapprocher plus facilement de ces animaux? Je ne sais pas. Allez, j'ai fait fuir quoi, là, ce coup-ci? Un peu tout. Dites-moi qu'il y a un autre cerf dans le coin, s'il vous plaît, que je sois pas venu là pour rien, parce que là, on se ridiculise chaque fois un peu plus. Une biche. Sinon, il y a un truc pour les stuns. Comme dans Monster Hunter, leur poser un piège ou je sais pas, comme ça, on peut monter dessus tranquille. Non, ça existe pas. Des biches partout. Je cours pas aussi vite qu'une biche, malheureusement. Elle est pas très effrayée, hein. Ah, j'ai loupé un lézard, je crois. J'ai loupé un lézard. Non, mais c'est sérieux, quoi. Le temps qu'on perd à essayer d'attraper ce cerf, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Je pense que ça va devenir un running gag. Assassquid qui essaye d'attraper un cerf. Franchement, on va l'avoir, là. On devrait en faire un gif. Bon. Eh bien non, quoi. Non, on ne va pas pouvoir attraper de cerf aujourd'hui. Grenouille vigueur. Cette grenouille rouge est rare, déborde de vigueur grâce à un élément présent dans le foie. Faites la cure pour obtenir un remède montant l'endurance au-delà du maximum. Bah très bien, ça j'en veux. Par exemple, ça j'en veux. Bah écoutez, on va laisser tomber ce cerf. Il me casse les... Hein, il me brise les noix. Donc on va le laisser tranquille et on va bouger un peu plus loin. Et quand je dis plus loin, je pense à bien plus loin. Allez, c'est parti. On va se téléporter. On revient sur le plateau qu'on avait quitté il y a un bon moment. Et on va aller au sanctuaire de Tumisoke. En fait, c'est pas ce sanctuaire-là que je voulais aller tout de suite, parce que je pense que j'ai oublié un truc dans un autre. Maintenant que je vois tout comment ça fonctionne, hop, on va mettre ça, ok. Maintenant que je vois comment les temples fonctionnent, je crois que j'avais pas ramassé ce qu'il y avait ici. Arrêtez le temps. Bon, on va faire un tour. Voilà, je pense que j'avais oublié quelque chose ici. Parce qu'à la sortie de chaque temple, il y avait quelque chose à faire finalement au tout début. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on peut pousser ce rocher? Non, c'est ce que je me disais, il a l'air trop lourd. Donc, j'avais clairement oublié de faire quelque chose ici. Toi, tu dégages. Allez, ça devrait être assez pour qu'il vole. Salut! Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans en fait? Certainement pas quelque chose de très important. Hein. C'était au début du jeu, arc de voyageur, voilà. On a déjà mieux. Dans tous les cas, on devrait se situer... Ouh, je ne vois pas où je vais, là. On est où sur la map? Moi, c'est à l'entrée de cette zone-là que je veux aller. Il y a une route par là, ou alors on peut se jeter par là. J'aurais peut-être aimé suivre la route, en fait, peut-être. Elle est où, la route? On va aller voir un peu plus bas et on va aller voir la route. Elle va par là. Parce que je pense qu'il doit y avoir une route qui mène au désert, non? Ouais, on va suivre la route pour voir un petit peu où ça nous mène. J'aurais encore dû prendre mon cheval. J'espère qu'il y a un relais sur la route. Ce serait cool. Alors eux, forcément, ils ont repop. Vu qu'il y a eu la lune de sang. C'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Si on veut de nouveau revenir ici s'amuser, on peut. Mais on va les laisser tranquilles. Ça sert à rien de s'acharner contre ces pauvres bestioles. Quand on pourrait tout simplement descendre. Alors j'ai vu, par contre, je sais pas si j'en avais déjà parlé.
Au début du jeu, en fait, on peut pas descendre. En fait, on pourrait escalader le mur et descendre directement dans la plaine. Hein. C'est techniquement faisable. Et je l'ai... Ouh là là. Je l'ai fait dans une de mes autres parties, justement, parce que de temps en temps, je m'amuse à refaire ce que j'ai déjà fait. On pourrait techniquement. Le truc, c'est qu'ils se sont arrangés... Attendez, quoi ? Oui, non, je m'en fous, là, des ennemis. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Ouais, elle est mieux, celle-là. D'accord, j'en avais jamais entendu parler. Non ! Laissez-moi tranquille. Je l'avais jamais remarqué aussi, hein, faut dire. Allez voir ailleurs si j'y suis. Est-ce qu'elles vont revenir ? Magnifique, je m'attendais pas à voir un truc comme ça, bah c'est cool. On va refaire une petite photo. Par contre, je me demande à quoi il sert, franchement. Est-ce que c'est un ennemi ? Ah non, j'ai raté mon coup. Ce sera mieux comme ceci. Beaucoup plus joli, voilà. Ouais, je me demande si c'est un ennemi, en fait. Parce que si c'est un ennemi, on va peut-être trouver ça moins cool. Encore ? Laissez-moi tranquille. De quoi je parlais juste avant, en fait, je me souviens plus. Oui, donc voilà, en fait, on pourrait techniquement descendre, en termes de distance, c'est faisable. Sauf que le jeu ne nous laisse pas faire, en fait, chose qui s'en va après. Au début du jeu, il y a de la brume qui nous empêche très clairement de descendre. Et surtout, quand vous essayez d'escalader, en fait, le jeu vous fait lâcher, hein, et vous mourrez. Donc, ça ne sert à rien. Au début du jeu, vous ne pouvez pas descendre. Donc, je pense que techniquement, il n'est pas possible d'aller affronter... comment il s'appelle, Ganon, sans avoir fait les 4 premiers temples. Après, je sais pas de quoi est composé le combat contre Ganon, donc peut-être que ça paraît logique dans le sens où peut-être qu'il faut utiliser la cinétis ou ce genre de truc. Non, toi tu viens là. Lézard Max, ce lézard originaire des forêts profondes se nourrit de proies riches en nutriments. Sa vitalité est telle qu'un remède qui en contient augmente le nombre maximum de cœurs. Très bien. Y'a rien là-dessous ? Y'a rien là-dessous. Donc voilà, en fait, on pourra pas aller en caleçon, enfin, si, en caleçon, vous pouvez, hein, vous avez juste à remettre votre caleçon. Mais vous pouvez pas y aller sans les pouvoirs principaux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Ça se trouve, je me trompe, encore une fois. J'ai peur que ce soit un ennemi, quand même. Hein. Si c'est un ennemi, ça risque de nous poser problème. Alors, on a toujours pas de flèche, j'imagine. Flèche de glace, flèche bombe. Bah écoutez. On va se faire plaisir. Hein. Putain, il retourne dans l'eau. Lui, il dort tranquillement, on va le laisser tranquille. Zut, j'ai loupé mon boomerang. J'étais trop occupé à me dire que j'avais foiré. Ah, il est là. Il n'est pas allé très loin, heureusement pour nous. Du coup, on va peut-être pas attaquer avec un boomerang. Hein. On va peut-être prendre une vraie arme, comme ceci. Ah, c'est dommage, ils dorment tous. Est-ce que notre bombe pourrait les atteindre, franchement? Si une de nos bombes pouvait les atteindre, ce serait top. À moins de se mettre au-dessus, peut-être. Roule jusque là-bas. Roule, 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 roule. Un peu plus loin, non? Bon, on fera avec. Ça passe. Bon, c'était pas le bon endroit pour jeter sa bombe. Lui, il va venir. Allez, viens, viens, viens. Il n'y en a pas un qui veut monter aussi? Donc toi, t'es projeté, tant pis pour toi.
J'ai envie de pousser celui-là. Avant de m'occuper de l'autre. Où est-ce qu'il est le bleu? Ah, il le voilà. Hop, le bleu, il dégage. Viens là, petit rouge, avec ta lance, là. Reste pas planqué. Très bien. Ça s'est pas si mal passé. Je sais pas pourquoi on reste aussi prudent de temps en temps. Alors que c'est peut-être pas nécessaire. Ah, il y en avait encore un, là. Zut, je suis tombé. Je suis tombé. Je regardais pas ce que je faisais. Hop. Des chauves-souris, en plus. C'est toujours bien, les chauves-souris. Ça nous donne des matériaux de monstres. Alors, toi, tu vas me laisser tranquille, non? Ah, mais attends, t'es en train de tirer des flèches. C'est parfait. Continue, mec. Vas-y, tire-moi des flèches. Non, mais il n'y a plus personne pour t'aider, je pense. Hein. C'est mort. Je pense que personne viendra à ton aide. Non, ça, on n'en veut pas. Y a-t-il des flèches? Oui, il y a des flèches, très clairement. Mais vous sortez d'où? Ah, mais c'est pas vrai. Sortez d'où, les chauves-souris, là? Il y en a combien encore? On a projeté tout le monde un peu partout, donc il doit y avoir des matériaux dans le coin. Peut-être des flèches. Matériaux? Ouais, il y a des matériaux là. Mais pas de flèches. Bah, on va aller fouiller la tour, hein, pour voir ce qu'il y avait dedans. On va fouiller ce petit arbre. Allez hop. Sans tomber cette fois-ci, ce serait top. Un bidon explosif. Ça nous intéresse pas. On va arrêter de jouer avec cela. Parce qu'à chaque fois, on a des problèmes. Une épée de soldat, pourquoi pas, même si c'est pas terrible. Le dragon est parti, en tout cas. 5 flèches de glace. Top. Flèche de glace, c'est cool. Il s'est brisé, mais il n'y avait rien dedans. Ok, bon, bah on va traverser le pont. Hein. Il n'y a plus de dragon pour nous menacer. Si, comme je dis, hein, si c'est un ennemi, j'ai bien l'impression que ce serait une sorte de boss, quand même. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, d'ailleurs, on pouvait aller voir l'encyclopédie. On va aller voir l'encyclopédie. Encyclopédie. Alors, Rordrak. Cet esprit de la foudre, ayant l'apparence d'un dragon, vit dans la région de Firon. On dit qu'autrefois il était le gardien de la source du courage. La légende dit, au coucher du soleil, il virevolte dans le ciel. Mais de nos jours, très peu ont pu être témoins de ce spectacle. Son corps était enveloppé d'électricité, il est dangereux de l'approcher. Mais on dit qu'il n'attaque pas les humains. D'accord. Il n'attaque pas les humains. Mais si je suis Ilien, ça marche aussi. Oui, je pense qu'un Ilien, c'est un humain, hein. Oui, il y a une petite musique qui s'est lancée, mais moi, je suis parti à l'escalade, comme d'habitude. Est-ce qu'on atteint le haut, par contre? Attendez, on va faire les choses différemment. Il y a une petite musique qui se lance, c'est vraiment sympa. Comme je dis, on va essayer de faire les choses différemment. Peut-être que je peux me reposer à certains moments de l'escalade. Encore une fois, j'oublie que j'ai un petit bandana d'escalade qui me permet de grimper plus vite. Comme ceci. Est-ce que je pourrais me tenir debout sur ce petit truc là pour me reposer? Ce serait bien, non? Eh non! On ne peut pas. Donc du coup j'ai perdu de l'endurance pour rien. Peut-être que c'est plus facile de l'autre côté? Pas forcément, mais bon, on va essayer. Attendez. Attendez, attendez. Ah, le revoilà. Bon, il ne nous a pas entendu lui non plus, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait avoir un meilleur spot pour le prendre en photo? Ce serait cool. Non, je veux pas que tu escalades ça. Je veux que tu lâches. Lâche pour voir. Voilà. Comme ça, on va pouvoir grimper. Et cette fois-ci, peut-être même atteindre le sommet. Je ne suis pas sûr, encore une fois. Allez. Si, on devrait pouvoir le faire. Si on atteint cette première zone, très clairement, on devrait pouvoir le faire. Allez, mon petit gars. Puis on aurait une meilleure vision sur le dragon aussi.
Si, il est encore là. Hein. Ça se trouve, il est parti. Il en a eu marre de nos bêtises. Il s'est dit, il y en a une. Non, allez, c'est bon, je me casse. Non, il est encore là. Donc l'approcher serait dangereux. Mais est-ce que techniquement, on peut l'approcher? Franchement, ce serait cool. D'accord, il y a une torche ici. On peut pas l'éteindre. Je sais pas ce que ça aurait changé de l'éteindre. Oh, par contre, on pourrait allumer celle d'en face. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Probablement pas. On n'a pas besoin d'un arc aussi puissant, encore une fois. Ah bah ça a fait quelque chose. Forcément ça fait apparaître un Gorogu, c'est vachement cool. Dans une faille, tu m'as trouvé. Bah c'était vachement cool de monter en fait. À la revoyure. Ouais, à la revoyure. J'ai bien fait de monter. Bon, lui, il est encore là. Il y a plein de rochers sur ce pont. Ça m'intrigue. J'avais prévu d'aller plus vite, mais il y a plein de rochers. J'ai toujours aimé jeter des cailloux dans le lac. Oh, j'ai failli avoir deux grues comme ça. Deux grues et ronds, hein, je sais toujours pas. C'est magnifique ce qui se passe en fond. Hein. Allez, ça, ça dégage. Il passe vachement près quand même. C'est moi ou il y a des boules d'électricité qui me tombent dessus? Il y a des boules d'électricité qui tombent. Après, elles ont pas l'air de pouvoir m'atteindre. Enfin, je dis peut-être une bêtise, j'ai pas envie de sauter dans le lac. Laisse tomber. Bon, rien de particulier ici. Attendez, je viens de penser à un truc là. Pendant qu'il était au-dessus de nous, on pouvait peut-être monter grâce au... Grâce au paravoile, mais bon, je pense que si on fait ça, on va se faire électrocuter. Peut-être qu'on pourra plus tard, je sais pas. Alors, dans tous les cas, on va se marquer quelque chose ici. Et on va se marquer ça. On vérifiera. Ouais, je commence à peine à utiliser les marqueurs, hein, mais ça a l'air très utile. Ouh, il y a du monde en face. On va déjà se soigner. Prendre une arme à distance, comme d'habitude contre la Lise Alphos. J'ai celle-là, mais elle est pas puissante du tout, en fait. Donc, mauvaise idée. Alors, est-ce qu'on pourrait pas pousser celui-là pour qu'il tombe? Non, là, par contre, il nous faut un meilleur arc. Bon, on tire pas assez loin. Dernière flèche, est-ce qu'on l'atteint? Oui, on l'atteint. Ce sera plus facile d'en gérer qu'un. Ouh la vache! Ça, c'était pas prévu. Allez, bouge! Non! Non, 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 c'était pas prévu qu'il me saute dessus. Mange! Tombe! Voilà, très bien. J'imagine qu'il a survécu à sa chute, hein, puisqu'il peut nager, donc pas de problème. Je sais pas s'il peut remonter par contre. Ah par contre non, ça ne nous fait pas monter plus haut. Très bien. Ça crée juste du vent. Bon, si tu tapes à distance, ça va pas le faire. Ma masse va bientôt se... Ouh là là ! J'allais dire ma masse va bientôt se briser et ça y est, c'est fait. Tant mieux, comme ça on peut ramasser de meilleures armes. Espadon rouillé, il y en a peut-être pas besoin. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pommes. Pommes, 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 pommes. Qu'est-ce qu'on peut jeter comme arme encore une fois? Parce que là, on commence à avoir un peu tout et n'importe quoi. Jeter. On va jeter ça pour le moment.
Harpon de pêcheur. Ce harpon pour poisson de grande taille, à la pointe bien affûtée, peut aussi servir d'arme. Devenez un pêcheur accompli en harponnant un poisson qui vous fuit. C'est intéressant. Maintenant, qu'y a-t-il dans ce coffre? Lance Zora. Les Zora se servent souvent de cette lance pour pêcher, mais aussi pour protéger leur domaine des envahisseurs. Elle est plus légère qu'il n'y paraît. Très bien. Une pomme. Flèche en bois. Ça, c'est mes flèches ratées. Oh, tiens. Un petit korogu. Encore un. Non, une faille. Tu m'as trouvé. À la revoyure. Très bien. Bah, dis donc. Des korogus partout. Alors, est-ce qu'il y a encore des lézalfos sur ce pont? J'ai pas l'impression. On se rapproche du désert. Je pense que... on n'est plus très très loin. Il y avait des choses pas mal à voir sur ce pont. Franchement, c'était sympa. Je m'attendais pas à voir un dragon comme ça. Est-ce que ça vaut le coup qu'on réescalade ça? Franchement. De ce côté-là. On va tenter. On va tenter. Bah oui, forcément, on est trop curieux. Allez, repose-toi, mon petit Link, et vas-y. Ça devrait être moins haut cette fois, tu devrais pouvoir le faire. C'est pas moins haut, c'est à peu près pareil en fait. Heureusement qu'on a ce petit bandana d'escalade, j'ai l'impression que ça nous permet vraiment d'atteindre des choses plus facilement. Hop. Allez, il faut continuer d'escalader, mon petit Link, là. Hein. T'es pas encore au sommet. Alors, au sommet, ce sommet-là, il n'y a pas grand-chose à faire. On s'en doutait un peu, hein. Je veux dire, ils n'allaient pas faire deux fois la même chose exactement au même endroit, ça aurait été dommage. Alors, il y a quoi en bas? Bokoblin. Une tour. Eh bien, on va s'occuper de la tour. Franchement, ça nous fera gagner du temps de la repérer. On aurait pu la laisser comme ça et se dire, allez, je m'en occuperai quand on reviendra sur cette zone-là. D'ailleurs, on aura... c'est de la lave, c'est quoi ça? Non, c'est à l'intérieur de la tour, comme d'habitude. On aurait pu dire, oui, je m'en occuperai quand je reviendrai dans cette zone, mais j'ai envie de m'en occuper maintenant. Par contre... ok, il y a du monde, là. Il y a des lézalfos. Mais il y a aussi beaucoup de tonneaux explosifs, on pourrait s'en débarrasser très vite. Heureusement qu'on est passé par les hauts. Comme ça, eux ne peuvent pas nous voir. C'était pas volontaire, mais en tout cas, c'était bienvenu. Alors non, je vais pas remettre mon truc Sheikah finalement. Puisque je vais devoir escalader la tour, donc le fait d'escalader la tour avec mon petit bonnet d'escalade, ce serait peut-être mieux. Hein. Petit bandana, c'est pas un bonnet. Alors on a évité... pas mal de combats, j'ai l'impression, en passant par là. Hein. Et on va pouvoir accéder à cette tour, j'imagine. Ouh. Ouais, très bien. J'ai bien fait de pas... punaise, il y a pas mal de choses ici. J'ai bien fait de pas passer par en bas, parce que le violet, là, je me demande si c'est pas un des plus forts, justement. Ah, je crois qu'ils m'ont repéré, là. Ils m'ont repéré. Il y a un coffre par là, on s'en occupera plus tard. Ils vont essayer de me tirer dessus, mais vous ne m'aurez pas, je vais aller en haut de cette tour, tant pis pour vous. Faites comme si j'étais pas là, de toute façon vous pouvez pas me suivre. Ici c'est ma tour. J'ai dit stop! Tiens, puni. Encore un? En plein dans le mille. Et en plus, il voit pas d'où ça vient. C'est génial. Youhou! Boum! Finalement, on va peut-être vous affronter, mais à coup de bombe, les gars. Allez, hop! Encore un. Alors, lui, il a valsé. Bah, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Je pensais pas. Tu vois ma bombe, là? Non, tu la vois pas? J'aurais pensé qu'il irait voir. Elle va tomber où? Plus près de lui, mais pas assez. Allez, joli. Bon, ça c'était moins joli, la réception était pas terrible. On a mal réfléchi à ce qu'on faisait. Par contre, ça m'intéresse. Lance de soldat, un entraînement rigoureux est nécessaire. Je crois qu'on l'a déjà vu. On n'a pas de place. Si ça pouvait ne pas attirer tout le monde, ce serait bien.
une pomme. Ah, il y a un autre coffre là-bas. On avait peut-être intérêt à faire le tour, en fait, mais franchement, je pense que c'est bon. Si je les pose près du feu, il se passe quoi? Elles ont l'air de griller, non? Joli, il y en a une qui grille. J'ai fait une pomme grillée. Pratique. Bon, maintenant on veut cuisiner, maintenant qu'on a l'occasion de le faire. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va cuisiner des choses pour le froid. On avait appris le remède, la terre-mer. Venaison. On a du poisson. On va peut-être en mettre deux. Est-ce que ça change quelque chose si j'en mets deux? On va voir. Grillade de terre-mer. D'accord. Ça rapporte 8 cœurs, j'ai l'impression. Donc, on va continuer à faire ça. Hein. Ah, c'était pas grillade terre-mer pic-pic, par contre. Il m'en faut 2 piments, je crois. Oui, c'était 2 piments. Donc, on va faire ça, ça, et on va mettre... qu'est-ce qu'on a dit? La viande de venaison. Peut-être la viande de venaison fine, j'en ai pas. Je crois que j'en avais. Venaison fine. Ben, j'en ai peut-être pas. Donc, on va mettre celle-là. Pas grave. Le mec, il cuisine en plein milieu du camp ennemi. Hein. Pas de problème, tranquille. Grillade de terre, mère. Ah zut, ça n'a pas marché. Bon, je dois faire une bêtise. Donc on va prendre 2 piments seulement. Une viande de venaison. Et une perche d'irule. Ça devrait le faire. Ça doit être épicé, là. J'ai quand même mis 2 piments dedans. Donc bon... Grillade de terre-mer, pic-pic. Voilà, on s'en est mieux sorti. Est-ce qu'on peut faire une grillade de terre-mer, pic-pic, mais encore plus forte? Je vais essayer comme ça. Ah non, ça fait une grillade de terre-mer. Ah, c'est pas avec n'importe quoi, hein, donc d'accord. Non, je vais prendre... 1, 2, 3. Je crois que du coup, c'est que avec la perche d'irule qu'il faut le faire. C'est bon à savoir, je ne savais pas. On n'a plus de viande de venaison, on va peut-être arrêter nos bêtises. On va peut-être par contre faire, je sais pas, allez, prendre ça. Je vais faire un truc de fruits. Salade de fruits. Avec un peu de miel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas d'autres fruits? Une noix de coco, quelque chose? J'ai pas d'autres fruits. Ben, on va faire avec ça. Qu'est-ce que ça va donner? Pomme au miel. Combinée au miel riche et doré, la pomme met son acidité naturelle en sourdine pour... dans ce véritable délice pour les papilles. Très bien. Augmente l'attaque. Ah ça, ça augmente l'attaque. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre dans les... Utiliser comme un aile permet de préparation de restaurer des cœurs. Ça, ça augmente l'attaque. Et ben, on va le faire comme ça. On va pas s'embêter, on va juste la préparer comme ça. Augmente l'efficacité d'attaque. Niveau 1, une préparation aigre-douce de fruits très frais, lentement mijotés. Est-ce qu'on peut le booster avec quelque chose? Pas avec des champignons quand même, ça serait bizarre. Les préparations augmentent la vitesse de déplacement. Est-ce qu'on peut augmenter la durabilité? Je ne sais pas. Bon, par contre... Non, on va pas la cuisiner. Qu'est-ce que je pourrais faire? Carotte vigueur, si j'utilise ça avec... rendre plus que le nombre maximum de cœurs. Ah! Mais avec quoi j'ai intérêt à les cuisiner? Si je cuisine ces deux-là ensemble, il se passe quoi? Un plat rapide et facile obtenu en faisant sauter différentes herbes fraîches. Ça n'a pas fait ce que je voulais. Les plats qui en contiennent augmentent plus. On va essayer avec de la viande. J'ai bien de la viande de volaille quelque part, oui, là.
On va voir, franchement. Il y a peut-être des recettes cool comme ça à faire. Hein. Viande Vapeur Max. Restaure les cœurs et en confère davantage. Toute la saveur de la viande est retenue à la cuisson dans une enveloppe de feuilles au riche parfum. Ça, c'est vraiment cool, par contre. Donc, on va continuer à faire ce genre de choses. Peut-être juste comme ça. Hein. Allez, hop. Parce que si on peut avoir plus de cœurs, ça peut être pas mal. Viande Vapeur Max, d'accord. Ça, c'est top. On a découvert quelque chose de cool. Prenons, rentre bien plus que le nombre maximum de cœurs. Prendre. Allez, fais-moi plaisir. Plus 5 cœurs, eh ben. Là, on va se préparer pas mal de remèdes comme ça. Enfin, autant que possible. Allez, hop. Et plus 5 heures. Eh ben, on va être relativement puissant avec ça. Ça, ça faisait quoi? Considéré comme une plante médicinale riche en agents revigorants, les plats qui en contiennent rendent plus que le maximum d'endurance. Ça, ça va nous servir. Très clairement. Petit épisode cuisine. D'accord, ça nous rend effectivement plus d'endurance. Pour la préparation, augmente votre vitesse de déplacement. Bon, par contre, on n'a plus de viande, donc on va arrêter la cuisine. Hein. On fera ça quand on aura de la viande. Parce que bon, là, c'est un peu inutile de cuisiner sans viande. J'ai l'impression que ça sert un peu de base à tous les plats, donc autant l'utiliser. Et je me dis que peut-être, du coup, c'est comme ça qu'on va augmenter nos cœurs. Parce que si on se concentre sur l'endurance, peut-être que la façon d'augmenter nos cœurs, c'est tout simplement d'utiliser des préparations qui vont les augmenter temporairement. J'imagine que c'est ça. Comme ça, vous pouvez choisir votre endurance ou vos cœurs sans être pénalisé par le jeu non plus, si vous cuisinez. J'espère que c'est ça. Franchement, ce serait vraiment malin d'avoir fait ça. Un peu comme dans un Monster Hunter. D'ailleurs, plus je regarde ce jeu, plus je me dis qu'il a des inspirations d'Animal Crossing, de Monster Hunter, des Zelda bien entendu, mais ça vient d'un peu partout. Franchement, on dirait que Nintendo a embrassé le fait que, voilà, il fallait piocher dans toutes les licences qui existent et qui fonctionnent bien. Alors voilà, il est temps d'activer cette tour. Tablette Yaka reconnue, activation. Acquisition des données locales. Très bien. Donc on va avoir la map de la zone qui, à mon avis, est très grande. Effectivement, très grande. D'accord. La carte de la zone a été enregistrée. Enfin, pas si grande que ça par rapport à certaines zones qu'on a vues, j'ai l'impression. Hein. Je vais comparer. Quand même, le lac Ilia est assez grand. Bon, un peu moins que cette zone-là. Hein. Attendez. Je fais plus la différence entre les zones maintenant. Ça, c'est le plateau. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'en est une autre. Je ne sais plus. On voit plus les démarcations. Non, bon, dans tous les cas, c'est quand même une zone relativement grande. Très bien, mer de Firon, lac Ilia, prairie de Firon. D'accord, donc ça, c'est le nouveau lac Ilia, en fait. Très bien, c'est cool. Il est relativement grand. Je me demande où sont les auras, maintenant. On dirait qu'il y a un creux au centre du lac. Je sais pas où ça mène. Dans tous les cas, notre destination, c'est le désert des Gerudo. Et on s'en rapproche dangereusement, j'ai l'impression. Thank you.